Bonjour à tout le monde, ça va? J'espère que tout le monde va bien. Je suis très contente d'être ici. Ça fait longtemps que je n'enregistre pas parce que bon, j'ai pas vraiment tricoté. Il fait extrêmement chaud. Oh oui, les présentations. Hello, bonjour, je m'appelle Ariana. Si c'est la première fois que vous passez par là, et ça, c'est mon podcast créatif. Si c'est pas la première fois, merci pour me joindre. Toujours très très contente. Excusez-moi si je n'ai pas répondu à vos messages, je les ai vus, mais comme je vous ai dit, là l'internet est un mystère, je ne sais pas. Et donc, c'est pas toujours facile et c'est pas vraiment gentil quand je vais chez mes copines. Oui, tu as de l'internet, donc je regarde, mais j'ai pas vraiment le temps pour répondre. Mais je vous remercie beaucoup, 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 beaucoup. Et je voulais vous dire, bon, je ne sais pas, je suis très contente d'être ici. Donc, qu'est-ce que je fais ce mois? Ça fait un mois et demi, non, un mois, un peu plus qu'un mois. Nous sommes le 12 juillet. Je ne sais pas si quand j'arriverai à télécharger cet épisode, parce que bon, ça dépend toujours de la kindness, qu'on dit, de la disponibilité de mes copines et mes copains qui ont internet. 2016. Et donc je suis toujours sans maison. On n'a pas acheté une maison, on n'a pas trouvé celle qu'on aime. Mais ça va, je suis encore chez mes parents qui bon, ne se plaignent pas, donc ça va, on en profite. J'ai trouvé un travail, et Nigel aussi, donc on travaille dans la même école et on devait travailler dans la même classe en CP. Mais ici, les CP c'est un peu différent, c'est CP, c'est la première année, je pense. C'est la première année, mais comme c'est une école internationale, donc il y aura beaucoup de personnes qui ne parlent pas en anglais parfait, naturellement. Donc c'est vrai que le programme est un peu plus simple que d'habitude. Mais quand même, ce sera un défi et j'ai vraiment envie d'essayer quelque chose de nouveau. Il fait chaud. Je me suis toujours plainte pour le froid. Et maintenant, il fait chaud. Hier, il y avait 38 degrés. Donc, on transpire sans rien faire. J'ai pris une douche. Là, mes cheveux sont n'importe comment. Mais ça va, ça va. Je suis très, très contente. Je ne me plains pas. J'aime bien. La chaleur, je ne sais pas, attaqué par la chaleur quand on rentre dans une pièce comme ça. Mes parents n'ont pas de clim, donc c'est vrai que parfois c'est pas toujours c'est pas toujours bien avec 38 degrés le matin. on est complètement moite, mais ça va. Donc, à propos de tricot, qu'est-ce que j'ai fait? Pas beaucoup parce que la chaleur, c'est pas toujours facile avec la chaleur, parce que vraiment mes mains, je n'aime pas toucher la laine quand il fait trop chaud. Mais je suis arrivée à finir le pull pour mon petit neveu. Je m'en souviens plus comment on dit. Bon, le fils de mon frère. Et il est né, il est adorable, il est vraiment adorable. Je suis tata Ariana, et je suis très très contente. Et il est super, il est super beau. Nous l'avons vu la semaine passée, le week-end passé. Je vous montre une photo ici. On ne dit à personne, mais il est vraiment adorable. Et oui, on a un problème qui c'est ma mamie à l'hôpital. Elle a été à l'hôpital pour 3 semaines maintenant. Elle va bien, mais ça signifie que ça a été assez difficile parce que
Samuel venait d'être né. Oh oui, je vous montre ici ce que j'ai fait pour, pour lui dire bienvenue. Donc c'était complètement cousu main parce que bon, ma machine à coudre est cassée. Et donc oui, c'était avec de. Je m'en souviens plus. Les choses qu'on met sur les lits, les draps. C'était des vieux draps que j'avais. Et j'ai fait une petite bunting, je m'en souviens plus en français. Et oui, c'était, je pense que c'était très joli. Très joli, modeste. Je suis modeste. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis modeste. Et non, j'étais très contente parce que je me suis fait mal au doigt. Parce que les draps étaient assez durs et je n'avais que de... Oui, c'était dur. Il faisait chaud, tout glissé. C'était ah! Mais je suis très contente. Et donc, la deuxième chose que j'ai fait pour le petit Samuel est un petit. Je le touche comme ça. Là. Peut-être que maintenant il n'y a pas 38 degrés, mais peut-être 36, 37, 5. Donc j'ai fait un petit pull comme ça. Je pense que c'était un modèle perso. Là, c'est toujours le même problème. Oui, c'est toujours le même problème. Sans internet, ça signifie que Ravelry, ça devient très difficile. Nous avons un contrat assez cher. Donc. Si j'utilise des sites EGP chaque fois que je l'utilise, ça signifie que si j'utilise des sites avec beaucoup de photos, ça, l'usage va... ça, je ne sais pas. Mais donc, je regardais dans des modèles que j'avais déjà, mais je ne trouvais pas un 3-6 mois. Donc, j'ai fait un échantillon et après, j'ai pris un petit pull... que mon frère avait pour 3-6 mois et je l'ai pratiquement copié. Il est né en juin, donc je ne voulais pas ici, il fait très chaud pendant l'été, donc même si je faisais quelque chose de coton, c'est toujours mieux avoir quelque chose de coton très fin et même, donc ça va pas, donc j'ai pensé si je fais quelque chose pour 6 mois, au moins il le mettrait peut-être à la rentrée octobre comme ça. Donc je l'ai fait, je l'ai copié, il y avait un petit cardigan qu'il m'avait donné pour le copier, mais là je me suis un peu trompée avec le col, donc je pense qu'il est un peu serré, je ne sais pas, mais quand même j'ai dit, donc c'était une épreuve, il y a quelque chose ici qui va, c'était une épreuve, si ça ne marche pas, c'est pas mal, c'est... Un petit truc que j'ai fait, c'était pour essayer et j'ai mis des petits boutons avec des voitures. Mais sinon, la laine que j'ai utilisée, je l'avais préparée ici, c'est de la Cascade Yarns, de Cherub Decay. C'est il n'y a pas de laine, donc l'appeler laine c'est un peu misleading. C'est nylon et acrylique. C'est très doux, c'est très très doux. C'est vraiment pour les bébés, donc on peut la passer à la machine à 40 degrés. Merci pour. Il y avait un podcast de. Laurence qui parlait des trucs pour les enfants. Moi, je l'avais écouté même si je ne savais pas de mon frère, je ne savais rien. Et donc, je l'ai écouté parce que bon, ça m'intéressait. C'était toujours très intéressant d'écouter c'est My Podcast de Laurence, le frisette, le l'achat, etc., etc. Et voilà, donc c'est très simple. Je fais un échantillon. Je pense que ces manches sont un peu années 80. C'est un peu partwing, chauve-souris, mais ça va. Ça a été bien, j'ai bien aimé le faire. C'est un expériment. C'est bien de travailler quand c'est si petit,
ça va très très vite. C'est très marrant parce que ça va très très vite. Et voilà, j'espère d'en faire un autre très très tôt, mais bon, je ne sais pas. Je dois vraiment. Il fait trop chaud maintenant pour la laine, il fait vraiment trop chaud. Et donc, je pense que je vais faire d'autres choses. Peut-être me concentrer sur le coton ou d'autres fils ou sur la couture. Je vous en parle dans quelques minutes. Donc là, c'était mon premier projet terminé de la semaine. Je n'ai rien. Oh, je vous montre les boutons. Je les ai achetés ici. Ils sont très, très jolis. J'adore. Je voulais des boutons rouges. Et après, je suis allée chez la mercerie. Ils avaient ça et j'ai adoré. Je les ai achetés straight away. D'un coup. Et voilà. Donc, la laine, je vous répète, c'est ça. Je n'ai pas les étiquettes. J'en ai encore. Je les ai achetées en couleurs différentes. Il y avait cette rouge. Qui est un peu en rouge, c'est pas très vif, c'est un peu, je ne dis pas rouille, non, ici il semble un peu plus orange, mais c'est un rouge très beau. Je ne sais pas maintenant si je vais faire une petite écharpe ou un petit bonnet. J'ai encore ça, et après je pense que j'ai du gris. Voilà, j'ai du gris. J'ai acheté ces quatre couleurs pour faire des choses. C'est tellement doux que vraiment. Merci à notre fille. C'est tellement doux que vraiment je ne sais pas si je l'aime comme laine parce que on voit que c'est du synthétique. Elle brille mais dans une façon un peu synthétique. Mais je sais que je l'ai donné à mon frère. Je l'ai fait voir à mon frère et à sa copine et elle disait mon Dieu c'est doux là j'ai pas vraiment de problème pour la peau du bébé. Mais je pense que le prochain pull que je fais, peut-être que je vais acheter un Baby Merinos de Drops, quelque chose comme ça, peut-être, au lieu de ça. Parce que c'est, et ça, je l'utiliserai pour des bonnets ou des écharpes, comme ça, parce que c'est vraiment doux. Et après, donc on n'a pas de souci que ça pique, ça pique pas. Et moi, vous savez, je suis vraiment toujours assez hypersensible. Je n'aime pas les choses. Alors, mon deuxième projet, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai un peu beaucoup, je vous ai dit. Qu'est-ce que je vous montre? Je vous montre du coton. Le coton que j'ai utilisé, c'est ça. C'est du coton acrylique de Cascade. J'ai fait beaucoup de cascades, peut-être qu'il y avait une offre, je ne m'en souviens plus. Cascadians, Avalon, coton acrylique 50% de chaque. Et c'est un beau fil parce que c'est un fil, vous voyez, c'est une chaînette. C'est pas donc, pour exemple, l'année passée j'avais fait un robin avec de la drop saffron, je pense. Là, ça ne m'a pas vraiment donné de soucis, mais j'avais utilisé un autre coton, toujours un 50-50 par Drops, je ne m'en souviens plus lequel, mais c'était vraiment difficile parce que le fil se défaisait tout le temps, et donc c'est vrai que c'était un peu ennuyant, parce que si on devait faire une augmentation, par exemple, il y avait toujours un petit brin qui était rebellious, qui se rebellait, et donc moi je n'aimais pas. Mais là, le fil est merveilleux, elle est super soft. Bon, maintenant rien n'est soft vraiment avec cette température, mais je voulais faire un petit haut, un peu grand, un peu loose comme ça, un peu boxy. Et je ne savais pas quoi faire, comme je vous ai dit, Ravelry c'est hors de question. Donc, j'ai pris des choses que j'avais déjà téléchargées et j'avais un petit bouclette par Rowan. Et je n'aimais pas tout, mais j'aimais bien la fantasy. Je vous montre. Et là, c'est une fantasy par Rowan. Maintenant,
voyez que la dentelle n'est pas parfaite. Là, la seule truc qui est parfaite est ça. Vous voyez, je vous montre. Attendez. Là, ça c'est la partie de la dentelle, celle-là, que j'ai fait parfaitement. Là, j'ai eu un petit problème avec la transcription de la dentelle, du schéma, parce que c'était trop petit, donc je l'ai écrite sur un bout de papier comme ça j'ai dit, je peux l'amener partout au lieu d'amener le iPad avec moi. Et j'ai fait une petite erreur, et donc je me suis trouvée avec une dentelle qui n'a rien à voir, mais bon, après j'ai dit c'est l'irrégulière, ça va. Après ici, je l'ai fait correctement, donc il y a ces pointes, et après ici, ouais, un peu correctement, mais je pense qu'il y a des petites boulettes là. Mais je me suis dit peut-être qu'au lieu de faire comme ça, je le fais comme ça, donc je ne vois pas la dentelle et ça ne va pas m'agacer. Mais je pense que du coup c'est assez joli. Je me lève, attendez, je me lève. Ça doit être assez joli. Donc ici je suis en train, bon, je suis en train de terminer. Je voulais voir, oui, j'ai fait cette partie comme ça. Bon, c'était le modèle qui faisait comme ça et j'aime bien. Comme ça, c'est pas trop dentelle. Et le derrière ou le devant, maintenant je vais décider. J'ai seulement décidé de continuer avec cette pattern ici. Et donc, je viens, oui, je l'ai déjà, je l'ai fait en deux parties parce que j'avais pas vraiment. Oui, parce que je trouve. Oh, je l'ai fait en deux parties. Oh, il y a une raison. Et la raison est, je pense que le coton est assez lourd. Et donc, moi, j'ai noté. J'ai vu avec mon Robin de l'année passée. Il fait comme ça parce que je pense qu'en travaillant en rond et avec le coton qui est assez lourd, il ne maintient pas, il ne tient pas sa forme. Je pense que, je ne sais pas, peut-être que c'est quelque chose que j'avais entendu sur un blog il y a longtemps, je ne m'en souviens plus. Je pense que c'était le blog de la Suédoise, de Marie, de Stitched in Sweden, qui parlait qu'elle aimait faire les trucs en rond, travailler en rond, mais parfois elle aime aussi le faire en partie parce qu'elle trouve que ça maintient, ça tient sa forme un peu plus. Et donc, en écoutant ça, j'ai dit ok, je vais copier cette idée et après je vais vous dire ce que je pense. Je l'ai presque fini. Je voulais le finir avant de tourner, mais avec donc en Italie, pour les hôpitaux, il faut être avec le patient. Donc, nous avons fait 2 semaines qu'on était avec ma mamie, nuit, jour, après-midi, tout le temps. Et c'était moi et ma maman. Et donc, c'était assez dur parce qu'on était toujours à l'hôpital. Et si je n'étais pas à l'hôpital, mes parents ont une maison assez grande. Bon, c'est une ferme. Donc c'est vrai, il y a les poules, il y a les chiens, il y a le potager, il y a les plantes. Pour arroser toutes les fleurs le soir, c'est 1h15, 1h15 qu'on utilise. Et après la maison, il y a l'appartement de mamie. Donc on a vraiment travaillé beaucoup. Plus, donc si je n'étais pas à l'hôpital, j'étais en train de faire des choses pour ma maman parce que c'était pas juste qu'elle passait des journées à l'hôpital et après je voulais qu'elle revienne à la maison et qu'elle trouve tout fait. Bon, comme je ne suis pas vraiment en train de travailler et je suis ici, nous sommes ici, ils ont été très gentils à nous garder, à nous hôpiter, à nous, je ne sais pas comment dire, bon, quand même. Vous entendez, c'est vraiment, il y a les tracteurs qui passent.
Et donc, oui, je voulais pratiquement les aider parce que c'était juste comme ça, c'était bien comme ça. Et donc, oui, j'ai pas vraiment. Ouais, je l'ai pas fini, mais je pense que j'irai le finir en 2-3 jours. La fin des îles est très, très sympa. J'aime bien l'alternance de cette dentelle, du point. Je pense que c'est du. Point riz, point sable, je m'en souviens plus. Et après, j'aime bien ça. Je le trouve très, très sympa. Je ne sais pas. Et j'ai vraiment envie de le mettre. Bon, je ne sais pas. C'est chaud. J'ai utilisé, je pense, 4 essuie-cheveux. Et je vais en utiliser 4 parce qu'avec ça, je vais sûrement le finir. Donc, c'est un projet très simple. Je ne sais pas si peut-être je vais faire. Donc, j'ai les cousus jusqu'ici. Il y a encore les aiguilles parfois. Ouais, bon, je ne sais pas. Mais après, peut-être, je ne sais pas si je vais faire un petit i-cord. Oui, c'était ma première fois avec l'i-cord. Ouh, c'est simple. Ouh, j'adore l'i-cord. J'ai décidé que j'adore l'i-cord. Donc, peut-être que je vais finir le col et les manches avec l'i-cord. Je ne sais pas. Mais là, c'est presque, presque fini. Et je suis très, très contente. Et j'aime bien cette dentelle. Elle est très, très belle. Et ouais, c'était ce petit magasin, c'était Rowan Tweed, non, Summer Tweed. Bon, je vais le mettre ici après. Il y avait des modèles super. Et c'était la première fois, je l'avais téléchargé, je ne sais pas, quelqu'un me l'avait passé. Et je le trouve très, très, très beau. Très, très, très beau. Avec ouais, il y a toujours des modèles très sympas. Et très, qu'on peut porter sans problème. Ok, deuxième projet, troisième projet, ce sont des chaussettes. Là, oh Mélina, je m'excuse, je n'ai pas encore mis les chaussettes que j'ai finies. Donc ça, c'est ma quatrième paire de chaussettes et je suis en retard. La seule chose qui est positive de passer beaucoup de temps avec ma mamie est que je peux tricoter la laine. Donc, je pouvais tricoter ça et je pouvais tricoter ça. Trop chose là, ça, et ce sont des chaussettes que j'ai fait tout simple, vous savez, Turkish Caston et après tout droit, et ce sont avec cette laine qui est merveilleuse qui s'appelle Bullfinch, c'est la colorie Bullfinch, et c'est ça, WYS West Yorkshire Spinners Signature 4-ply avec du BFL Blue Faced Luster. J'adore cette laine. Je la trouve d'une qualité merveilleuse. La dernière paire que j'ai faite à Nigel, est encore, je l'ai lavée 10 000 fois, vraiment. Et il l'a portée beaucoup. Il les a portées beaucoup. Et la laine est parfaite. Et je pense que ma maman le passe à 40 degrés. Donc, elle est parfaite ici. Je pense qu'ils disent 30 degrés. Voilà. Mais ma maman, si elle pouvait faire tout à 90 degrés, elle le ferait. Ça, j'avais. Peut-être que c'est un peu Noël, ça. Mais ce sera prêt pour Noël, peut-être. Mais c'est super, super, super. Je le trouve très sympa. Je voulais faire quelque chose de différent parce que les autres étaient bien coloriés. Et ici, j'ai acheté ça avec du gris. Qu'après, je peux quand même réutiliser ou faire des chaussettes complètement grises. J'adore cette laine et j'adore les combinaisons de couleurs. Parce que je trouve que c'est très, très bien. Quand, par exemple, quand ici, la pointe et la fantaisie se rencontrent tout de suite et on voit que c'est la même, je ne sais pas, peut-être que je suis un peu je ne suis pas d'habitude très coordinatrice, ça va, moi j'aime bien de mélanger les choses, mais là je la trouve très classique, très bien, qu'on puisse avoir la même couleur d'une de ces des couleurs de la laine self-striped,
autorisante. Et j'adore. Ils ont fait, ça c'était une collection des coloris des oiseaux. Mais au moment des coloris des oiseaux, mais je sais qu'ils ont fait une collection des coloris des cocktails et des trucs comme ça, des boissons très colorées, donc c'est vraiment estival. Et il y a des laines comme ça contrastantes, unies, des coloris unies, qui sont super jolies, dans les roses, les bleus pétantes, les jaunes. C'est merveilleux, allez les voir. C'était 7,20 € pour 100 grammes. Je trouve que le rapport prix et qualité est merveilleux. Bon, je ne sais pas. Moi, je l'adore. J'en ai acheté beaucoup, comme je vous ai dit. Et bon, beaucoup. Beaucoup, mais j'en ai acheté d'autres coloris et j'ai vraiment envie de tout utiliser. Donc voilà. Très, très beau. C'est pour Nigel. Je suis presque arrivée à talon. Je ferai le Philips Castillo. Naturellement. Et voilà. Donc, Mélina, ça c'est la quatrième entrée. J'irai un jour, j'irai faire beaucoup de. J'irai sur ma page Ravelry et j'irai tout. Je ne sais pas, tout faire. Je m'excuse. Alors, c'est tout pour le tricot. Comme j'ai aidé ma maman avec ma mamie comme ça, elle m'a dit qu'elle va acheter une machine à coudre parce que je l'ai cassée. Je l'ai cassée, je lui ai offert. J'ai dit, maman, si tu veux. Mais après, on a pensé, moi, je suis pas pour toujours acheter les choses plus chères parce que c'est pas la peine. Mais avec ma machine à coudre en Angleterre, pour exemple, là, elle était. Une machine d'occasion, mais d'une qualité très haute. Et donc, c'est vrai que je me suis habituée à travailler avec une machine qui est vieillotte, peut-être elle a 10 ans, mais qui a des. Je ne sais pas, elle est un peu plus forte. Elle est faite dans une façon un peu différente. J'ai cherché à utiliser la machine de ma mamie, qui est une machine des années 50, vous savez, avec le le pédale comme ça. Mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas, peut-être que je devrais demander à quelqu'un de. J'ai trouvé des tutos pour l'actionner, mais même pour maintenir, pour faire des exercices pour la coordination. Et ça va, c'est très bien, j'aime bien ça. Mais je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Je pense que c'est bien plus simple d'utiliser des machines nouvelles. Donc, j'irai acheter une machine nouvelle assez tôt. Et donc, je vous la montrerai la prochaine fois. Et j'ai acheté du tissu. Je suis allée acheter les boutons, comme ça, dans une mercerie. Ici à Vérone, et j'ai acheté. Il y avait dans les paniers, vous savez, les paniers à pois. J'ai trouvé ceci qui est, je trouve, très très beau. C'est assez grand, hein? Je ne sais pas ce que j'en ferai. Je l'avais acheté quand je le regardais. Je pensais à un foulard comme ça, un foulard, mais après, il est super grand. Donc, un foulard, je ne sais pas, c'est un peu gâché. Donc, je ne sais pas si ce que j'irai à faire, mais je l'adore. Et c'était 1,70 €. C'est merveilleux. Et si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez, c'est Manila Grace. Donc, parfois dans les paniers, on trouve des tissus de designers. Et Manila Grace fait les tissus sont merveilleux. Ils font des habits, des vêtements assez, en Italie au moins, ils font des trucs assez ethniques, un peu particuliers comme ça. C'est merveilleux.
Et donc, je suis très contente. 70, donc j'ai vraiment envie de l'utiliser. J'ai vraiment envie d'utiliser. Il est très beau. Il est très, très beau. Très contente. Et dès que j'achète la machine, j'ai vraiment envie de faire beaucoup de choses. Comme c'est un peu plus facile de travailler, découdre, que de travailler avec de la laine. Là, vraiment, je n'y arrive pas. Il fait, vous voyez, je suis complètement moite. On se lève le matin, on est moite, on est complètement fantastique. J'aime bien ça, je sais, j'aime bien ça. C'est vraiment de la chaleur tropicale. Mais sans les pluies le soir, vous savez, si on va dans les jungles, parfois, on trouve. Je ne sais pas si vous pouvez vraiment entendre parce qu'il y a beaucoup de tracteurs, beaucoup de camions qui vont passer parce qu'on a tout ouvert ici. Et voilà, je ne me souviens plus ce que je voulais vous dire. Moi, ça fait une demi-heure qui est assez, comme je n'ai rien à vous montrer. Et je vous remercie encore d'être restée ici avec moi. Je suis très, très contente. Merci pour vos messages. Je suis toujours très, 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 très... J'apprécie beaucoup votre amitié. Ça me fait... Là, c'est mon papa avec TikTok. Et ça me fait sentir encore partie de la communauté, même si au fringe, même si au fringe, comme on dit, un peu à la limite. Mais j'espère pouvoir trouver de l'internet pour ma maison tout de suite. Un gros bisou à tout le monde. Bonnes vacances. J'espère que vous pouvez passer des vacances très fraîches et merveilleuse avec toute votre famille et vos copines, copains, etc. Un super bisou. Ciao, bye.